Je vous souhaite la bienvenue à l'Oisellerie où on va passer un petit moment ensemble où je vais vous montrer chacune de ces jolies chambres qui ont été décorées avec beaucoup de goût, où le charme et l'authenticité du lieu a été conservé et l'accueil y est des plus chaleureux. Aujourd'hui, je me trouve dans une ancienne demeure qui est située en plein cœur d'Angers. C'est une des maisons commerçantes les plus anciennes d'Angers qui a été rachetée par Johanna et Marlène, deux amies, qui ont eu un projet un peu fou d'ouvrir des chambres d'hôtes donc dans cette ancienne bâtisse qui date de 1580, donc du XVIe siècle, et qui a pendant des années été abandonnée. Et elles ont donc fait le pari de tout rénover et d'ouvrir ces chambres d'hôtes et d'ouvrir en rez-de-chaussée une boutique en vendant des produits locaux. Marlène et Johanna donc, sont deux amies qui ont une trentaine d'années, qui adorent le voyage et la randonnée comme moi. Et elles ont beaucoup voyagé et du coup, elles avaient envie d'acheter cette bâtisse pour pouvoir accueillir des touristes, des personnes qui voulaient découvrir la région et toute personne de passage. Elles ont un concept qui est assez innovant, c'est-à-dire que tous les objets que vous voyez dans chacune de ces chambres, que ce soit les lampes, que ce soit des petits paniers, des plantes, etc., tous ces produits-là sont à disposition en fait dans leur boutique au rez-de-chaussée où elles vendent du coup des produits locaux ou des produits d'artisans locaux. Notamment quand elles offrent un petit déjeuner, ben vous pouvez acheter les mêmes produits dans leur boutique. Donc le concept est assez original et ça permet aussi de promouvoir donc tous les artisans et les producteurs locaux. Marlène et Johanna ont une trentaine d'années. Elles sont toutes deux issues, l'une de l'hôtellerie, l'autre de la communication publique. Donc, elles sont assez complémentaires. Et vous allez voir qu'elles ont énormément de goût en décoration. C'est pourquoi je vous invite à faire une visite de chacune de ces chambres pour voir chaque petite pépite. Pour la décoration, elles ont fait le parti pris de garder une décoration plutôt neutre pour garder l'âme particulière du lieu. Donc chacune de ces chambres auront une ambiance particulière, elles auront chacun un cachet particulier et elles ont choisi un petit nom très poétique pour chacune de ces chambres. Ce qu'on va beaucoup retrouver dans cette demeure, en fait, c'est beaucoup le tuffeau, l'ardoise, les tomettes au sol, les vitraux comme vous voyez ici qui sont de plusieurs couleurs, donc polychromes. On voit aussi des colombages, des pans en bois, donc c'est ce qu'on retrouve dans chacune de ces pièces. Et elles ont choisi vraiment des matériaux nobles et chaleureux. Pour la petite histoire, cette bâtisse qui date du XVIe siècle a eu beaucoup de passages. Donc auparavant, c'était une imprimerie, une papeterie, ça a été après une rôtisserie aussi. On a eu aussi un horloger qui a vécu ici, surtout au rez-de-chaussée, et une grand-mère qui est restée longtemps aussi sur les étages. Puis après, elle est partie à l'abandon et quand elles ont racheté cette bâtisse, ben, il y avait tout à refaire, hein, donc tout à réinventer, tout à rénover. Et s'agissant d'un monument historique, bien entendu, il a fallu prendre des artisans qui soient capables du coup de rénover ce monument historique. Donc c'est forcément coûteux et elles ont fait appel à des fonds pour finir les travaux et elles ont bien relevé leurs manches aussi pour pouvoir finir ces travaux. Et vous verrez que tout a été fait avec soin, avec goût et l'accueil est vraiment très chaleureux. Elles ont tout pour réussir. Et juste pour la petite histoire au passage, les propriétaires de ce lieu ont retrouvé ces deux extraits de magazines, donc ces jolies femmes, où il y avait des inscriptions dessus, le nom d'un artisan de l'époque qui avait rénové les lieux, sur lesquels est inscrite une date, donc le 20 février 67. Et Marlène et Johanna sont allées retrouver ce monsieur et l'ont ramené dans la nouvelle bâtisse qui avait été rénovée. Ce fut beaucoup d'émotions pour elle comme pour lui, puisque lui a revu la bâtisse complètement rénovée, complètement transformée par rapport à ce qu'il avait fait à l'époque. Et elles l'ont témoigné donc dans un encart du Courrier de l'Ouest. Je vais vous emmener pour une visite. Vous verrez, il y a 5 chambres à l'étage, donc 3 chambres qui sont d'environ 25 mètres carrés et 2 chambres de 18 mètres carrés, chacune avec une vue soit sur le palais de l'évêché ou sur le centre-ville ou encore sur la cathédrale Saint-Boris. Donc c'est vraiment en plein cœur du centre-ville historique d'Angers. Nous voici au premier étage pour visiter la première chambre qui se nomme les Inséparables. Cette chambre, elle est idéale pour un séjour romantique à deux. Moi, je suis tombée littéralement sous son charme. Elle est très atypique et très lumineuse. J'aime beaucoup la baignoire îlot ouverte sur la chambre ou encore le miroir ovale doré qui donne un cachet à cette pièce.
On retrouve aussi un lavabo suspendu, arrondi, en céramique blanc. C'est vraiment pas commun, c'est très design. Je trouve que les accessoires déco ont été très bien choisis. Il y en a peu, mais ils sont vraiment bien. Par exemple, les deux patères qu'on voit pour poser ses vêtements, ou encore le pot en bois qu'on voit poser sur la baignoire Hilo pour poser son livre, ou son verre de vin, ou encore son shampoing ou son gel douche. Je trouve ça très pratique. On peut voir que la pièce est très claire, lumineuse, donc la lumière passe bien par la fenêtre. On voit que la grande cheminée en tuffeau, elle passe très bien parce que même si elle est assez imposante, finalement le fait qu'on ait utilisé du coup du tuffeau, le tuffeau passe très bien inaperçu sur le mur tout en gardant un cachet à la pièce. Après on a tout au fond donc les colombages qui ressortent très bien et les volets en bois qui sont très anciens et qui ont été conservés, ce qui donne beaucoup de charme à cette pièce. Pour le sol, elles ont opté pour des pierres polies, ce qui donne beaucoup de cachet aussi, des matériaux bruts et nobles. L'espace de circulation est bien pensé, on a un salon face à la cheminée qui est très agréable, avec des fauteuils en style scandinave, donc qui se marient très bien avec le style de la pièce. Ça reste chaleureux tout en étant très simple, très sobre. La petite table ancienne qui a été repeinte en blanc avec un vitrage par-dessus, ce qui fait refléter les vitraux, je trouve que c'est très joli et très bien pensé aussi. Comme l'espace le permettait, elles ont opté pour un lit king size qui est vraiment très bien, très confortable avec un épais matelas. On voit qu'elles sont issues de l'hôtellerie, elles ont bien pensé à mettre l'accumulation de coussins pour que ça fasse joli et que ça donne un aspect un peu cocooning. En face du lit, elles ont repeint une ancienne armoire en gris où elles ont pu intégrer la télé assez sobrement. Le radiateur en fonte a été rendu presque invisible puisqu'il a été encastré et peint, repeint de la couleur du mur. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Et devant, il y a un cache en fait radiateur qui a été rajouté qui donne beaucoup de cachet, de style à la pièce puisqu'on a gardé le côté authentique de la pièce. Le linge de lit reste sobre aussi, c'est du linge blanc, donc on met en avant la propreté du lieu. Quelques coussins de couleur, mais avec des tout petits motifs stylisés, ce qui reste discret. Et les portes que vous voyez en fond, en fait, ce sont des fenêtres. Quand on ouvre, en fait, il y a des vitraux derrière qui donnent sur l'escalier. Donc vaut mieux les garder fermés, surtout vu l'espace de salle de bain qui est juste derrière ces carreaux. Au-dessus de la baignoire, on a une suspension très discrète, mais bien localisée. Et dans le centre de la pièce, on voit ce grand lustre assez imposant qui donne un style très ancien en fer forgé. Donc j'aime beaucoup parce qu'on garde encore l'authenticité du lieu. Les poutres apparentes sont laissées de couleur bois, donc ça donne de la chaleur à ce lieu puisque le reste est plutôt clair. La table de nuit est très basique puisque c'est une planche de bois brut soutenue par deux équerres en dessous, une petite lampe de chevet très simple avec un pied en fer. Et ce qui est génial, c'est d'avoir pensé à mettre les prises à disposition à portée de main plutôt que de se baisser pour aller mettre la prise en dessous ou pour brancher son téléphone. Vous pouvez voir que le mur, c'est juste du crépi qui a été repeint en blanc et la cheminée qui n'est plus utilisée mais qui donne beaucoup de cachet à ce salon. Vous voyez le vieux banc aussi qui a été bien choisi pour poser ses serviettes ou son linge et une robinetterie très design en vertical. Je vais vous emmener maintenant à la chambre numéro 2 qui est juste en face sur le même palier. Elle s'appelle le refuge. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plus petite. Celle d'avant faisait 25 mètres carrés, celle-ci en fait 18. Mais elle a été très bien pensée pour optimiser l'espace. On est dans des couleurs vert d'eau, un style un peu plus design. Pour amener de la lumière dans cette pièce, c'est très bien pensé. Elles ont rajouté un vitrage sur le haut du mur, un peu dans un style industriel, ce qui donne beaucoup de cachet, sobriété, mais apporte beaucoup de luminosité aussi. Le meuble vasque est exceptionnellement joli, je trouve, puisque c'est une demi-table qui sert un petit peu de console. C'est en noir laqué, une table assez ancienne avec de jolis pieds qui permet de poser la vasque juste par-dessus en toute simplicité. Encore un miroir ovale doré qui donne toujours le cachet, l'authenticité de la pièce. La baignoire, donc une baignoire toute simple qui est arrondie pour pas qu'on se prenne sur le côté, qu'on se fasse mal. Avec un carrelage brillant, donc ça reflète la lumière, donc ça c'est aussi très très joli, un peu un effet marbré, et des toilettes juste à côté. La première chambre, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de toilettes, c'est des toilettes séparées, donc en dehors de la pièce. Le revêtement du sol, c'est du carrelage avec des carreaux grand format, c'est les mêmes carrelages qu'on retrouve sur le mur,
Le côté brillant pour refléter la lumière et le grand format permet aussi d'agrandir l'espace et aussi de rajouter une touche contemporaine. Quant au sol dans la chambre, c'est du carrelage imitation parquet. Ça donne pas mal et c'est vrai que pour nettoyer, c'est beaucoup plus facile pour elle. Mais on garde quand même le côté chaleureux du sol avec cette couleur imitation bois. Et à la place des tables de chevet, ici, pour gagner de l'espace, on a pensé à encastrer une petite planche pour poser les affaires dessus, poser un téléphone, un livre, etc., de faible profondeur. Donc ça, c'est très très bien pensé aussi. Le linge de lit, on retrouve le même que dans l'autre chambre. Ici, on voit un petit bureau d'appoint donc qui permet de travailler si on est une personne seule ou si on est à deux, avec un plan de travail en marbre, ce qui est très chic. On voit une petite fenêtre, pareil comme dans l'autre chambre, donc qui s'ouvre sur l'extérieur, sur l'escalier, avec des vitraux aussi. Sans oublier la télé, puisque dans chaque chambre, elles ont pensé à garder quand même la télé, puisqu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne vivent plus sans télé. Donc ça, voilà, on a rajouté un petit peu de modernité aussi dans cette pièce avec cette télé. Donc, au niveau luminaire, on voit donc deux suspensions de chaque côté du lit, juste un fil avec une ampoule, c'est très sobre, très simple. On voit que c'est l'esprit plutôt minimaliste dans ce lieu. À l'étage, il y a une deuxième chambre refuge qui est un petit peu plus décorée. Elle est un petit peu dans le même esprit, sauf que dans les luminaires, il y a eu des appliques murales qui ont été choisies, qui sont rose gold. Ce sont des appliques en métal filaire qui donnent un côté graphique qui est vraiment pas mal. Dans la salle de bain, j'aime beaucoup l'idée de la vasque colonne de forme rectangulaire. Elle est sobre, mais elle prend pas de place. Je trouve qu'elle a vraiment bien sa place dans cette salle de bain. Ici, on a une vue sur la cour intérieure. On a beaucoup de luminosité. La douche est de style plutôt industriel, comme vous voyez. Un carrelage de couleur rouille un petit peu. Et de l'autre côté, des carreaux de format plutôt rectangulaire, toujours assez grand. Je pense que c'est beaucoup plus facile déjà au niveau du nettoyage et puis ça donne beaucoup de modernité à la pièce. Au sol dans cette salle de bain, elles ont conservé les tomettes d'origine qu'elles ont nettoyées. Elles sont vraiment magnifiques, ça donne beaucoup de cachet. Et on appréciera du coup la douche à l'italienne, très spacieuse. Dans la chambre aussi, on a des tomettes au sol, on a des patères pour ranger les vêtements. Un linge de lit toujours très sobre avec des tissus de coussins très jolis, très stylisés, mais toujours très fins. Et au-dessus du lit, des cadres avec des anciennes cartes postales d'Angers où on peut se plonger un petit peu dans l'histoire de la ville. Et toujours un bureau d'appoint pour ceux qui veulent travailler ou juste se mettre à lire. C'est plus une console qu'un bureau finalement puisqu'elle est très simple, très sobre et plutôt moderne par rapport au bureau qu'on a vu en bas. Donc on va dire que l'ensemble de cette pièce se veut plutôt style industriel, plus moderne. On va prendre maintenant le chemin de la troisième chambre, qui se situe juste en face, au deuxième étage. Comme vous pouvez le voir, on a une poulie qui se trouve de haut en bas de toute la cage d'escalier, qui est très ancienne et qui a été bien conservée et restaurée. Ça raconte beaucoup d'histoires dans ce lieu. Voici la troisième chambre, la volière. Très lumineuse, spacieuse, donc on revient dans du 25 mètres carrés ici, avec toujours un style très particulier. Donc ici, vous allez vous envoler pour un moment de douceur angevine à deux, dans un style un peu plus vintage par ici. Il s'agit de l'ancienne chambre de la maison ici. Et la pièce qui était juste en dessous de 25 mètres carrés, c'était la salle à manger. Donc quand on rentre, on voit la salle de bain, la douche à l'italienne, avec un carrelage très joli, je reviendrai après dessus, un joli miroir doré. Toujours la télé à disposition, une armoire très minimaliste de style vintage. Ici, on a du confort et de la douceur, et toutes les teintes sont plutôt orangées, couleur bois. Il y a un mélange de styles que je trouve très bien pensé. On a donc du style vintage et quand on va vers le fond, on voit qu'il y a des fauteuils style Louis XV et cette table en bambou qui a été repeinte en blanc, donc qui donne un petit côté voyage colonial que j'aime bien. Toujours ce radiateur qui a été bien caché derrière un cache-radiateur en fer forgé, le même qu'en bas. Une vue imprenable sur le palais épiscopal. Une vue sur les rues d'Angers et ses commerces.
On retrouve les pans en bois, le colombage, ces volets en bois qui ont été conservés, qui donnent tout le cachet de la pièce également. Et quant au lit, eh bien, c'est un lit king size une fois de plus, donc très confortable, un beau linge de lit, deux petites tablettes toutes petites avec une lampe minimaliste juste posée sur le dessus. Un autre radiateur qui est épeint de la couleur du mur, donc qui se rend invisible. Une petite console avec toujours des petites plantes à droite à gauche. Et on revient donc dans la salle de bain avec ce magnifique carrelage qui est imprimé style papier peint, on va dire rustique et ton pierre. C'est très joli, ça donne beaucoup d'authenticité au lieu, même s'ils ont utilisé un nouveau carrelage donc plus moderne. Une petite dame Jeanne violette. Un porte-manteau très pratique et cette lampe posée sur le sol de style vintage qui est en harmonie avec le décor et qui donne une lumière très tamisée. Et on se lasse pas de regarder ces vitraux qui laissent passer la lumière d'une couleur un peu bleutée, des vitraux polychromes qui sont typiques de ces anciennes maisons du 16e siècle dans le centre-ville d'Angers. Sans oublier le fameux chandelier, donc le fameux lustre suspendu au plafond en fer forgé. Et maintenant, je vous emmène dans ma chambre préférée, c'est le nid. Elle est magnifique, complètement atypique, sous la charpente. C'est un joli cocon sous les toits, au cœur de la charpente. Une charpente magnifique qui a été magnifiquement bien restaurée. Une chambre cosy pour deux. C'est la plus atypique de la maison. Je l'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur en fait. Vous allez voir, il y a beaucoup d'espace, même si c'est vrai que la hauteur sous plafond n'est pas très très grande. On a un lit king size une fois de plus, avec un espace de bain très charmant, une vue magnifique sur le palais de l'évêché. Et cette charpente a été très bien illuminée, donc j'imagine le soir quand il fait nuit et qu'on allume ses lampes, on doit se sentir vraiment dans un petit cocon, c'est très romantique. Au sol, les tomates ont été conservées. On garde le charme de l'ancien, de l'authentique toujours, avec une jolie baignoire en céramique. Et toujours le même carrelage qu'on retrouvait tout à l'heure, qui a été du carrelage imprimé, imitation papier peint un peu vieilli, j'aime beaucoup, d'un ton bleuté. Et toujours plein de petites lumières tamisées qui amènent, qui met en beauté en fait la pièce sans nous éblouir. Le linge de lit toujours blanc avec ses deux petits coussins de fantaisie. Des fleurs séchées, une petite table en bois et d'anciens fauteuils, des fauteuils en rotin et en bois. Et on arrive maintenant à la dernière chambre, donc elle se situe aussi au troisième étage, c'est le pigeonnier. Donc c'est une chambre en duplex qui est idéale pour deux ou pour quatre. Et là, vous allez pouvoir apprécier un instant de quiétude sous les toits d'Angers. C'est un endroit très calme, très reposant. Alors dans ce pigeonnier, on arrive sur un salon avec un canapé convertible. On a une petite fenêtre vitrée qui donne une vue sur les toits, très charmant, très romantique. Un espace toilette et une salle de bain semi-ouverte sur le salon. Une fois de plus, la vasque est très originale, de couleur bleue, arrondie, c'est très joli, c'est en imitation pierre. Elle est juste posée en fait sur un pied en métal de couleur noire, avec une robinetterie très sobre aussi de couleur noire, donc ça garde un style un petit peu industriel. De jolis vitraux anciens, avec un dessin magnifique, des rideaux pour l'intimité et une douche très moderne. Toujours avec des carreaux grand format qui font refléter la lumière. Ce canapé est très sobre comme vous pouvez le voir, il se fond bien dans la masse. Le toucher est très doux, c'est en peau de pêche, donc ça donne le côté très confortable. Deux petits coussins fantasy, une table en bois très rustique. Et on arrive maintenant à l'escalier qui mène à la chambre en mezzanine. Et elles ont réussi à placer un lit king size dans ce petit espace qui est bien confortable, bien cocooning et qui a une superbe vue toujours sur le palais épiscopal et la cathédrale Saint-Maurice, qu'on voit juste au fond à droite. C'est idéal, j'imagine, le soir pour regarder les étoiles.
Et depuis la mezzanine, on voit le salon. Et cette grande suspension, très jolie, très moderne. On voit que du coup, les styles sont bien mariés ensemble et tout en harmonie. On voit aussi une petite console en bois pour se poser avec un petit siège. Et on voit à nouveau une télé qui est cachée un petit peu sous l'escalier, qui a été fixée sur un bras qui a été fixé au mur. Et on a aussi un joli coffre installé juste en dessous pour ranger des affaires. Ainsi s'achève du coup notre visite dans ce lieu magnifique. Bon, j'espère que vous avez apprécié la visite, que ça vous aura donné beaucoup d'idées déco. Je vous invite bien sûr à venir passer un week-end à Angers. C'est ma ville de cœur. Moi, j'ai pas habité Angers auparavant. J'y suis arrivée il y a 10 ans. Et j'avoue que c'est une super belle région et je m'y sens très très bien. Donc n'hésitez pas à venir passer un week-end, à louer une de ces jolies chambres. Vous avez un tarif entre 80 et 180 euros par nuit. Un accueil hyper chaleureux, un beau petit déjeuner. Donc vraiment, venez dans la bâtisse qu'ont acheté Johanna et Marlène. Ça peut aussi vous donner des idées sur des investissements locatifs si vous êtes propriétaire d'appartements anciens. C'est vrai que c'est hyper important de soigner sa décoration. C'est ce qui fait que la clientèle arrive et revient de façon récurrente. Vous pouvez le faire sur du saisonnier, courte durée ou même longue durée. N'hésitez pas à venir me voir aussi puisque j'habite la région d'Angers, ma ville de cœur du coup. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un beau pouce bleu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !